Oasis FM. سمعك التصوير. Donc, Monsieur Roger, notre équipe nationale est qualifiée au quart de finale de la Coupe d'Afrique en Gabon et Guinée équatoriale. Pensez-vous de notre équipe nationale, le parcours surtout jusqu'à maintenant? C'était un parcours tout à fait remarquable, mais je me doutais que cette année, plus que d'autres années, la Tunisie a une grande chance d'aller en finale. Bien entendu, le match qui va arriver va être très très important, mais pas plus important que le prochain. Donc ça veut dire que la Tunisie est bien présente dans cette Coupe d'Afrique. Elle est vraiment à sa place en quart de finale. Monsieur Roger, maintenant l'équipe nationale il est au Franceville, au Gabon. Et il y a un petit problème de Adel Chedli. Il y avait un grand débat ici et les observateurs, ils ont dit que M. Roger Lemaire, c'est l'entraîneur qui a pu vraiment être dominant sur l'ensemble de l'équipe. Mais Adel Chedli a quitté maintenant l'équipe nationale. Pensez-vous qu'il sera de répercussions négatives sur le match de la quart de finale? J'espère que le groupe est plus fort que l'incartade de Chedli. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais il faut savoir que nous aussi, tout n'a pas été tout rose quand j'étais à la tête de l'équipe nationale. Ce sont des petits incidents de parcours qui sont bien entendu regrettables, mais je crois que le groupe et son staff technique vont être beaucoup plus forts que ce petit désagrément. Comment pensez-vous de match de un quart de finale contre le Ghana? Ghana. On sait que le Ghana fait partie des équipes favorites, mais pas plus que la Tunisie, pas plus que la Côte d'Ivoire. Et je pense que il faut savoir aussi qu'à une époque, la Tunisie face au Nigeria, qui n'était malheureusement pas non plus dans cette Coupe d'Afrique cette année, face au Nigeria, nous l'avions emporté au tir au but. Et ce que je souhaite, j'espère bien entendu que l'équipe nationale de Tunisie l'emporte avant les tirs au but, mais que si elle va jusque-là, elle gagnera cette fois. Et même si on peut gagner ou on peut perdre, c'est la loterie. Mais je suis sûr qu'elle va être à la hauteur. Donc ça ne va pas être facile. Le Ghana est aussi une prétendante au titre à l'image de la Tunisie. Monsieur Roger, cette Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique spécifique à la disqualification de grands. On a observé l'absence de Cameroun, de l'Égypte, l'ex-champion, ainsi bien de Nigeria, mais aussi au cours du premier tour, la disqualification de Maroc et du Sénégal. Ça a été les poules, mais je ne suis pas surpris non plus. Il n'y a plus de petites nations, encore que je dis bien que la Tunisie fait partie des grands, mais c'est vrai que le Maroc aurait pu prétendre à se qualifier. Il faut savoir qu'elle était en concurrence avec le Gabon et la Tunisie, et c'est deux nations qui ne sont pas faciles à rencontrer. Donc, ils étaient à égalité. Bien entendu, avant, il y a eu les éliminations lors des qualifications, mais en poule, on aurait pu penser que le Maroc allait se qualifier. Il ne l'a pas fait, mais aussi, il faut savoir que le Gabon et la Tunisie sont bien à leur place. Retournons au groupe de notre équipe nationale. Pensez-vous qu'il y a une évolution au niveau tactique et physique entre 2012 et 2004, là où vous étiez champion avec notre équipe nationale? Bien entendu, quelles que soient les péripéties et les événements que vous avez suivis, et Dieu sait si j'ai été très, très affecté par ces événements et par ce qui s'est passé, l'équipe nationale a progressé et je suis très très heureux. Les clubs ont progressé. L'Espérance de Tunis a été représentée, le Maghreb et la Tunisie au championnat du monde des clubs, et c'est quelque chose d'important.
Et que ce soit le Club Africain, l'Étoile, Sfax, tous ces clubs sont en train de progresser au niveau des structures, au niveau de l'encadrement. Il y a une volonté, le foot tunisien est l'un des foot les mieux organisés en Afrique. Ça, faut surtout pas l'oublier. Oui, Monsieur Roger, en plus, on a vécu depuis 2 années l'ascension de joueurs très qualifiés, tels que le cas de Msekni, de Youssef Msekni. Et il y a pas mal des équipes européennes maintenant qui veulent le recruter. Pensez-vous de Msekni, de Daouadi, de Daragi? Non, mais ce sont des joueurs qui ont beaucoup de valeur. Donc, que l'Europe vienne voir en Tunisie à partir du moment où aussi c'est un football très, très, très structuré, c'est peut-être le football le mieux structuré en Afrique, au niveau des clubs, c'est normal que les Européens viennent faire leur marché en Tunisie, d'autant que la qualité des joueurs tunisiens n'est pas à mettre, on ne peut pas la mettre en doute. Regardez encore beaucoup de participation aux Coupes d'Afrique, toujours dans les meilleurs. Rappelez-vous l'Afrique du Sud, rappelez-vous Rhodes, rappelez-vous les Tunisiens sont là présents, omniprésents, je dirais. Si, Monsieur Roger, on va faire 3 choix, 1, 2, 3, comment vous estimez les 3 équipes après la CAN, c'est-à-dire le champion et le deuxième et le troisième? Ah, le premier, ben j'opte pour la Tunisie, c'est clair. Oui. Comment la Côte d'Ivoire, mais déjà, il va y avoir un affrontement, que maintenant ce sont des éliminations directes. Moi j'opte, la Côte d'Ivoire sera peut-être là, mais je joue vraiment ma carte avec mes amis tunisiens. Il y a l'équipe nationale de la Guinée qui a vraiment évolué d'un certain niveau très haut, mais malheureusement il était disqualifié. Pensez-vous de cette équipe malgré la disqualification? Non, c'est la Guinée est une très très, très bonne équipe, mais le championnat est ainsi fait, c'est que à partir du moment où vous êtes dans les meilleurs, vous êtes qualifié et pour les poules, vous êtes qualifié pour le tournoi final, bien entendu, vous pouvez vous faire éliminer parce que la concurrence est très 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 sévère. Regardez les résultats maintenant, il n'y a pas de petite équipe, ça n'existe pas. L'Europe est inondée de joueurs africains, inondée, je dis bien. Aller en Angleterre, aller en Allemagne, il y a vraiment des gens de très 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 grande qualité en Afrique. Ouais. Et pour la Guinée, la Guinée, elle est là, elle fait partie des meilleures. Et là aussi, les individualités ne font pas forcément les équipes. Et ce que je retiens, moi, de l'équipe de Tunisie, c'est justement cette solidarité, cette qualité collective. Et ça, c'est important. Mais cette qualité collective, ils la doivent au travail qui est fait dans les clubs. Une dernière question, Monsieur Roger. Peut-on savoir si un jour l'ex-champion de Coupe d'Afrique avec la Tunisie, Monsieur Roger Lemaire, sera en Tunisie avec un club ou peut-être même avec l'équipe nationale? Ah ben, moi de toute façon je suis certainement français, mais aussi j'oublie pas que j'ai passé presque 8 années dans votre pays, donc je suis très 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 tunisien. Et les attaches que j'ai, soit avec Monsieur Oud, soit avec Monsieur Benamar, j'oublierai jamais les clubs aussi, quels qu'ils soient. L'Espérance, bien entendu, puisque j'avais été entraîneur en 83-84. La Tunisie fait partie de mon cœur. Donc, revenir, bien entendu, je vais revenir. Bien entendu, je reviendrai voir mes amis. Je vais revenir voir mes amis. Et bien sûr, soyez toujours la bienvenue. Vous êtes toujours parmi nous, parmi les citoyens tunisiens, parce qu'on a vécu avec vous de Oui, meilleurs je suis moments. Oui. aussi citoyen tunisien, je Oui, l'oublie pas. bien sûr. Alors, juste une petite dédicace pour notre station de radio Oasis FM. Eh bien, je vous souhaite prospérité et continuez à bien œuvrer pour le sport français, pour le sport tunisien.
N'oubliez jamais ça, la dédicace, que tous mes compliments justement à Oasis FM. Il famille, sport, musique et l'arbre. Oasis FM. ثم معك التصويره.